Bonjour et bienvenue au Gameplay Express, donc de ce jeu indie de la semaine qui est cette fois dédié à The Chaos Engine, donc jeu développé comme je l'avais dit en 96 qui vient de sortir donc sur Steam et qui nous permet donc de rejouer à ce bon vieux jeu développé par la société indépendante Bitmap Brothers qui était ultra connu sous Amiga et Atari ST. Donc comme je vous ai dit dans l'article, de toute façon ils ont fait Xenon 2, ils ont fait Gods, ils ont fait énormément de très gros jeux. Donc là, Chaos Engine, pour faire un pitch assez rapide, vu que dans l'article je ne vous ai pas fait de point sur l'historique, tout simplement, on va faire quelque chose d'assez original, une machine qui a évolué, comme c'est écrit là, la machine a évolué et s'est retournée contre son créateur. Si ça ne vous rappelle pas quelque chose, vous me le dites, hein, bien sûr. Skynet defense system we're in. Now activated. Past the firewalls, local defense nets, minutemen and subs. Skynet fully operational, processing at 60 teraflops a second. Sir, it should take less than a minute to find the virus and kill it. All access inquiries to your supervisor. Let's pray to God this works. Et bon, on va passer assez vite l'intro, donc qui vous rappelle que la machine a décidé de faire un paradoxe temporel et de chez l'être humain, en ramenant des dinosaures dans le présent, en faisant des paradoxes temporels différents et variés, et vous avez donc 6 personnages pour vous en sortir. Donc, nous allons aller maintenant directement au jeu. Nous voilà sur l'écran titre, alors vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas d'option pour un jeu PC, c'est assez bizarre. Tout simplement car le jeu est en fait en fenêtré et vous avez des petites options qui viennent d'au-dessus. Vous avez un tableau des scores qui vous permet en ligne de voir comment ça fonctionne. Et vous voyez ici que vous pouvez jouer à deux joueurs en local, ce qui est intéressant, aussi bien au clavier à deux ou à la manette et au clavier. Ou encore après via Steam, vous pouvez retrouver des amis avec qui jouer. Alors, vous pouvez commencer une nouvelle partie. Il y a aussi les passwords. À préciser que ce ne sont pas pour les petits malins les mêmes passwords que sur Amiga, donc ça ne sert à rien d'essayer. Donc commençons. Vous avez, comme vous le voyez, donc le choix entre les 6 personnages afin de sauver le monde, l'humanité et le destin de l'univers, et donc chacun avec leurs compétences, leurs pouvoirs ainsi que leurs armes. Vous voyez aussi qu'il vous coûte de l'argent. En haut à droite, vous avez le prix, en bas à gauche sur l'écran de droite, vous avez combien chaque mercenaire coûte. Bon, ça n'a pas grande incidence, on va dire, pour le moment, vu que vous avez assez pour vous payer n'importe quelle combinaison. Mais bon. Monde 1, level 1. Donc en rappelant qu'il y a 4 mondes, 4 niveaux par chaque, dans chaque monde, pardon, et donc 16 tableaux à explorer. Donc là, vu que je joue seul, vous avez le personnage derrière qui est automatisé. Alors bon, l'intelligence artificielle est toujours la même que l'époque sous Amiga, donc il ne faut pas espérer une grande aide de ce deuxième personnage, mais bon, en multi, c'est vachement plus sympa déjà. Donc vous voyez aussi qu'il a disparu et réapparaît, tout simplement parce que si vous montez trop haut et qu'il disparaît dans le scrolling, il reviendra au bout d'un moment derrière vous. Voilà. Ici vous avez les fameux nœuds, ou les pylônes comme je disais dans l'article, que vous devez débloquer afin de pouvoir avoir la sortie du niveau. Vous voyez quand même qu'il a une... Bon, c'est un pylône, passons, on va pas faire de référence outre mesure. Ici vous avez parfois des power-up qui en fait débloquent un pouvoir. Donc vous avez un pouvoir spécial mais vous pouvez profiter certaines fois des power-up donc des autres personnages simplement les débloquant par terre. Après comment avoir un power-up ça on va vous le montrer. Là je vais vous montrer comment mourir, bien sûr c'était calculé hein, ne vous en faites pas. Et donc en fait il y a des checkpoints qui ne sont pas indiqués mais qui vous permettent de revenir. On peut voir, on va voir un peu ce qui est en bas, donc il y a le player 1 et le player 2, il y a le score, la barre de vie ce sont les deux petites barres vertes, et donc il y a aussi le 2, là on voit qu'il nous reste tout simplement deux pylônes à débloquer afin de pouvoir sortir du niveau. Alors ici nous avons une clé dorée, elle nous permet en fait d'accéder à des zones bonus. Donc vous voyez ici, nous accédons à un peu plus d'argent et aussi à deux power-up en quelque sorte qui nous permettent de débloquer donc notre attaque spéciale. Donc ici encore un power-up qui permet de nettoyer tous les ennemis qui sont à l'écran, enfin presque tous. Et voilà, l'attaque spéciale de mon perso par exemple, donc c'est d'avoir accès à une carte qui me donne l'emplacement de différents éléments, pylônes ou autres.
Ici, nous avons les deux derniers pylônes du jeu. Donc vous voyez, encore une mort qui est volontaire. Hein. Je vous montrais bien sûr où était l'autre checkpoint sur ce même niveau. C'est de toute façon volontaire et calculé. Donc ici, on tue le dernier ennemi, on débloque les deux derniers pylônes, et ça nous permet de rentrer donc au niveau 2 du premier monde. Il serait quand même malhonnête de présenter un jeu multijoueur sans faire une capture d'écran de la version 2 joueurs. Donc, j'ai trouvé un camarade de jeu, et on voit que à l'écran de sélection, nous pouvons donc choisir qu'un seul personnage. Nous ne voyons pas par contre, avant qu'il l'ait sélectionné, quel personnage va sélectionner donc l'autre joueur. Voilà, c'est fait. Et nous allons donc vous présenter cette fois-ci le deuxième niveau à 2 joueurs. Alors, ça se présente pareil. Il y a le même nombre de monstres, hein, la même difficulté, en fait ça ne change pas trop, sauf que le deuxième personnage cette fois-ci est contrôlé par quelqu'un d'un poil plus intelligent que l'IA. Bon, là, c'est encore calculé, on nous montre qu'une fois que l'autre personnage meurt, donc ça reste pareil. On voit l'autre joueur, donc moi en l'occurrence qui reste, et on se dit on va peut-être revenir au début pour le faire réapparaître. Hélas, ce n'est pas comme ça que ça marche. Comment alors ça fonctionne? C'est là la grande question. Et pour vous y répondre, il suffit tout simplement d'avancer un peu plus dans le niveau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple dans le niveau 1, il y avait une sorte de yin et yang. J'avais dit que c'était un power-up, on ne savait pas trop encore à quoi ça servait. Tout simplement, ce symbole sert à faire revenir le deuxième joueur. Donc il réapparaît avec vous, plein de vie. Bon, il ne reste par contre qu'une seule vie. Voilà, il nous reste une vie chacun, hein, comme vous le voyez en bas à gauche et à droite à côté de nos petits visages. Et donc je vous laisse apprécier un peu de gameplay pour voir comment tourne le jeu à deux joueurs. Normalement, nous ne sommes pas trop mauvais. Alors là, nous voyons que si les deux joueurs meurent, en fait, on repart au checkpoint qui était tout simplement, donc comme en partie solo, le checkpoint qui est, hélas, on ne voit pas vraiment où est-ce qu'ils sont placés, mais qui sont donc à travers le niveau. Donc, Chaos Engine, que dire sur le bilan de ce jeu? À deux, c'est très sympa. Bon, vous aurez une sensation de lag qui n'est pas forcément très agréable, mais bon, ça, c'est pas très très grave, puisque en désactivant le smooth, on peut quand même s'y retrouver et lié à ça. Et puis les développeurs aussi parlent de faire un patch pour corriger ce problème là. Après, 7,99€ pour simplement une émulation, on va dire, de cet ancien jeu des Bitmap Brothers, c'est quand même un peu cher. Alors en soi, 7,99€, ce n'est pas très cher par rapport aux jeux qui sont vendus, les jeux AAA qui sont vendus aux alentours de 50€. Mais pour ce prix là, j'avoue, c'est vrai que ça fait quand même assez élevé. 5€, 4€, 4,99€ par exemple, ça aurait été quelque chose d'acceptable. Alors, ça ne fait que 2€ de moins, mais psychologiquement, le prix aurait paru plus cohérent. Là, c'est comme si on y jouait sur émulateur, en fait. C'est comme un bon émulateur avec un effet d'amélioration graphique. Voilà, et c'est vrai que c'est un peu décevant. Il n'y a pas énormément de choses en plus, à part peut-être la possibilité de jouer en ligne, la possibilité de comparer ses scores en ligne. Mais après, c'est vrai que est-ce que ça vaut un tel prix, c'est la question. Donc pour conclure, on dira que c'est un très bon jeu, un peu cher, mais que ça reste quand même l'un des grands jeux des Bitmap Brothers et qu'il vaut le détour. Voilà. Bonne partie et à la semaine prochaine.